Un risto, 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 ristola. Pas de ristou, de ristou, de ristourne, quoi. Mange un riz collet. Prends des risques, mon gars. Eh ouais, c'est de la balle, si tu kiffes les grosses boules. T'as les pieds dans le sable, mais t'es pas à la bourboule. Je t'ai reconnu, t'es un petit cochonnet. Tu viens mater les petits culs en mangeant du cochonou. Et t'as bien raison, car les femmes ici sont belles. Si t'aimes les poils au menton, elles étouffent sous les aisselles. Oh, ok, assez de clichés. On est là pour déconner, alors remplis ton pichet. Ce qui est dans ton verre, il faudra l'avaler. C'est ça la coutume dans le fond de la vallée. On y est, à l'édition 2013, on reste sur le carreau et au milieu des mélèzes. Gourouf Trio. Derrière, ils ont mis Mr. Brown, le Libanais. T'es très joli. Tu sais, je suis content que tu m'as choisi. Madame, t'es très très joli. Maintenant, c'est moi qui suis dans ton lit. Mais jusqu'à quand? C'est la question. Là, il t'envoie du Palpa Selection et du Jonas, le mec d'Arvieux. Tous les amis du Kera qui sont ici et qui donnent la main chaque soir pour que ça se passe comme ça. Nous, on prend Kera Brothers Sister. Il n'y a plus de chantage, nous souhaitons un bon voyage. Et demain, gros moment, Montbiet se défend face au tyran d'FR3. 12 janvier sur France 3 Provence-Alpes et France 3 Côte d'Azur. Ils ont mis un bout du clip, ils ont récupéré, c'est pas normal. Il y a un bouton à appuyer pour qu'une démarche juridique parte. Bon, j'imagine que votre antenne, des démarches juridiques, elle en... Mais c'est quand même un quart d'heure, une demi-heure, si vous voulez bien, quand même. D'accord. Tu sais que ça va durer un an, cette histoire? Voilà, ça, c'est le concours de boules 2013 du Fontenil. Est-ce que vous êtes là ce soir? On vous rappelle, 12 à 8, 12 à 8. On est parti de 7-0. Et la pression, Sergio. Là, on va partir. C'est parti. Elles sont pas constantes. On l'a dit. Oh, c'est beau. Il n'y en a que deux. Ah, peut-être trois, ouais. Il y en a trois, pardon. Ça fait 7-0 quand même. Ouais. Tu viens à Bristola pour une semaine de boulot. Ouais, parce que c'est un peu le centre du monde et qu'on s'y sent bien. Ah, c'est bien le terrain Jean-Luc Mélenchon. Le terrain 2 s'appelait le terrain Gaston Defer. Paix à son âme, évidemment. On reprend la partie. Sophie, tu viens d'attaquer la corde. Il y a 11 à 8. Jean-Pierre qui nous fait du Gainsbourg. Il y a 11 à 8. Je vais la prendre par derrière. Comment s'appelle cette... Oh là là, elle serre les fesses. Vous êtes, un peu scandaleux. Scandaleux, on peut le dire. Mais vous êtes beau, vous êtes beau, vous êtes beau, vous vibrez, merci. Putain, on est beau, on vibre, merci. Elle nous a remis dans le contexte. C'est nécessaire sur un événement comme ça, le marche tout du monde. Hein. Dans un quart d'heure, nous serons mariés avec sa tenue baroque. Bon, c'est beau. Une finale de boules internationale comme jamais on aurait. Hop là. Et quand il voit le cochonnet, il demande c'est quoi ça là? Le cochonnet est d'une certaine taille. Rappelez-nous les dimensions, Didier. 3 cm 4 de diamètre et absolument ne pas comporter un brin de métal. Un cochonnet est en bois, exclusivement en bois. Après, jaune fluo, c'est les cochonnets de Bretagne, ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Didier, avec le cochonnet? Alors, on se rappelle qu'en Provence, en 1789, ils ont établi que le noyer était le meilleur bois pour faire un cochonnet. On avait un cochonnet naturel.
Par contre, en Bretagne, ils n'arrivaient pas à le voir, ce putain de cochonnet. Ils ont été obligés de le teindre, eux. Et ils ont commencé à le teindre avec du sang de bœuf. Ah, je... Bah, merci de ce détail historique. Pardon ? Ah, ça, c'est bien. Pardon, merci de ce détail historique. On se rappelle. C'est important de le rappeler. Hein. C'est là, on peut là, rebondissement. Et les révolutionnaires, rappelons-nous, qui défendaient le rouge, hein, et voilà, et du coup, c'est devenu la couleur du Parti communiste. Tout ça vient du cochon. 11 à 8, 3 fois pour Martin et Serge. Bon, le break, ils ont fait le break. Léo, est-ce que tu te sens excité par cette finale? C'est passionnant, ce situation. Ah, on n'a pas vu Yves avec son jambon. Rappelons-nous, nous avons oublié de remercier Yves, qui a vendu un jambon pour le motoclub du Kera. Et qui nous a fait passer une bonne semaine quand même. Et pas là, à l'arrivée, il a partagé son jambon et on le remercie. Non, ne jette pas des boules, Serge. Oh, poula, et moi le très. Aïe, et Sophie, qu'est-ce qu'elle fait? Oh, magnifique! On est parti de 7-0. Et la pression, Serge. Là, on va partir. C'est parti. Valérie, reviens s'il te plaît, Valérie. Tu restes une des plus belles femmes du pays, s'il te plaît, interview. Vous ne pouvez pas rêver mieux. 12 à 12, on va choper Hidalgo, le roi de la pétanque espagnole. Comment te parece la noche? La noche very bien. Je ne suis pas espagnol, Didier. Je ne suis pas espagnol. Je suis tchèque et je suis champion du monde de pétanque extrême subaquatique. Hein, un nouveau sport inventé. Et je trouve que cette partie vaut tous les championnats du monde de pétanque qui existaient sur cette terre. Le championnat du monde se joue sur cette boule. Tirez là, Serge. Oh là là, ça se joue là. Champion du monde. Champion du monde. Marie-Lage et Sophie sont champions du monde. Comme par hasard, elles bossent au fond de pile, quand même. C'est surréaliste. On vit un truc surréaliste. Elles n'ont jamais joué au boule de leur vie. Elles n'ont pas rigolé. Filme-les. Elles sont chantes. Attends, c'est notre coach. C'est notre coach. C'est un autre coach qui nous a conseillé depuis le début. C'est un truc de malade. On ne sait pas comment on a fait. On ne sait pas comment s'en remettre. Non. On a chaud, on a peur. On est content, on est heureuse. Vous aviez décidé quand de jouer ensemble ce championnat? L'année dernière déjà, on était à fond. Et vous avez fait des stratégies. Est-ce que c'est vrai que vous prenez sur vos heures de travail pour les stratégies dans les couloirs? Oui, pas du tout. Pas du tout. Toi, t'es à l'année, c'est ça, tu défends ton job. Regardez leur joie, regardez. C'est fait plaisir à voir. Un grand hommage à Martine et Serge et à tous les participants de ce championnat du monde de pétanque indoor à 1640 mètres d'altitude. À l'année prochaine. On souligne que Farilou et Jim Envier, c'est pour nous tous les générales, quoi. Alors, on va demander. Voilà, enfin, donc merci pour tout. Comme quoi, 4 brouettes de sable, ça peut faire tout ça. C'est pas grand chose, mais. Et un peu d'énergie, quand même. Voilà, j'ai. Et beaucoup d'énergie. Big up pour Jean-Pierre. Aristo, Risto, Risto, Ristola, pas de Risto, de Risto.